Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live sur Book of Wars. On va continuer notre petite aventure. On était à l'aube d'une journée, et on a trouvé, grâce à notre souvenir de la veille là, on devrait pouvoir améliorer nos chaptes en utilisant notre ami le miroir, notre chapt plus. Alors le problème c'est que le chapt plus il est pas là. Je sais plus ce qu'on faisait avec, mais il doit être quelque part en train de travailler, donc on va attendre qu'il termine ce qu'il est en train de faire. Quand on recharge, des fois les jauges n'apparaissent pas. Donc je sais plus exactement où il était. Du coup aujourd'hui on a un petit peu de travail. Alors le problème c'est qu'on a pas mal de livres qui sont de type Moz, donc on va pas en pouvoir en faire 36. Et en plus on a plusieurs livres qui sont en sabazine. Donc il va falloir qu'on les dépile petit à petit. Donc en gros là aujourd'hui on devrait pouvoir dépiler le Sky et Amos. C'est le plan en tout cas. C'est le plan. Et améliorer un chapt. Du coup, en Moss, on a ça qui a 3. Alors, on a pas mal de trucs, mine de rien. Est-ce qu'on pourrait pas améliorer un metal? Vu qu'on a mis un des trucs, là. Ça, c'est attuned to metal. Bon, c'est Moss et Sky. Et ça, c'est attuned to metal et c'est Rose et Scale. Rose et Scale. Là, on devrait pouvoir, ouais. Si je mets un metal, un deuxième metal, et que je mets ça. Bah, c'est parfait, on va se faire un metal plus plus, et après, on pourra même faire un méga metal si on veut. Ok, donc ça, c'est parti. On va démarrer ça. On va faire un souvenir de type Moss. Moss 2, un impulse par exemple, parfait. Hop, on va le lire ici avec pas chapt du coup, un petit whist, tiens. Ça me paraît pas mal. On va attendre de voir ce qu'on a comme souvenir, enfin comme temps. On va m'enlever la pause, on va voir ce qu'on a comme temps parce qu'on aura peut-être un souvenir de type Sky intéressant, sinon il faudra qu'on génère un gros souvenir. Ok. C'est tout pourri, enfin c'est tout pourri, non, c'est très bien, mais ça colle pas du tout à ce qu'on veut. Par contre, du coup, j'avais mis de côté le livre de type Nog, parce que je me disais, je vais faire les chapts, donc c'est pas pertinent, mais là, du coup, on est à 12, 3, et 2, 6, ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah, on a un truc à 5, hein. Ouais, on a des trucs à 5, donc ouais, si, on va le prendre. C'est parti. On va le faire avec notre chapt, notre bébé chapt. T'attendrais pas d'avoir le chapt plus. Je peux attendre d'avoir le chapt plus, mais il faut voir quand est-ce qu'on peut le lancer. Parce que ça prend 3 minutes, donc c'est quasiment une journée. Hein. Oui, effectivement, donc on sait pas où il est. Non, on sait pas trop ce que j'en ai foutu. Je le vois nulle part, je vois pas le jauge qui travaille. Il y a là, mais c'est ce qu'on vient de lancer. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ouf, t'as halluciné et t'en avais qu'un. Non, je suis quasiment sûr que j'en avais deux. Ah, il doit être là. Oui, il était là. Il est en train de travailler ici. Ok, bon, on mettra à reposer après. Mais ouais, on peut attendre. Est-ce qu'on peut le mettre à dormir, ce souvenir-là? Je crois que tu avais dit qu'on ne pouvait pas les Weather. Oui, non, les Weather, on peut pas, t'as raison. Donc ouais, non. Du coup, si on va le faire, je pense, tout de suite. Ça devrait... On va regarder, mais... Où est le livre de type... Ok, il est ici. Donc si on met le livre... On met ça, on met le truc à 5, on est à 10 pour 12. On peut crafter un Curious Wunsch, tiens. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Et si on met ça, on est à 11. Ouais, bah on va attendre d'avoir le chat plus, on verra. On peut faire le chat plus demain. Et... Oui, mais ça c'est prêt dans 6 secondes, après il faudra le reposer en 60 secondes.
Ouais. Ça va être long. On va attendre, ouais. On va faire ça tout de suite. En plus, je pense qu'on doit avoir un outil de type knock à vérifier. Tac, le chat plus plus, ça, ça. Et donc, il nous faut un tools de type knock. Alors. Là, non. Et une bougie. Et le préliminaire metteur, il est type knock 7. Pourquoi je l'ai pas vu avant? Ouais, donc ça passe. Voilà, parfait. Je me disais bien aussi qu'il devait être de type knock, mais il clignotait pas. Mais si, si, c'est bon. Allez, hop. Peut-être qu'on l'a pas vu. En avant. Du coup, il va falloir qu'on génère un souvenir de type sky, qu'on transformera éventuellement en un souvenir de niveau 3, 4, pour atteindre le 12. Donc on va le lire avec un chore. Alors, on a quand même pas mal de trucs là qui vont devoir travailler. Donc on va aller faire un tour sur la plage. Hop, et dans la forêt. Et dans la forêt, on va mettre ça. C'est parti. Et du coup, on a regardé un peu sur le wiki. Et effectivement, ça dépend pas du tout de la leçon qu'on met, ce qu'on obtient. Mais en fait, on a un pourcentage de chance d'avoir. C'est un peu en fait comme les saisons, c'est-à-dire qu'on a un deck avec les objets dedans. Et c'est qu'une fois que le deck est vidé qu'on a de nouveau une chance d'avoir les objets qu'on a déjà eus. C'est ça. Et en fait, la proportion de chance d'avoir certains objets dépend de la saison. Donc à chaque saison, il y a un deck. Et tant qu'on n'a pas, par exemple, il y a un chat, par exemple, par deck. Et si on pioche direct le chat, bah, on ne pourra pas en repiocher tant qu'on n'aura pas fait toutes les cartes du deck. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc qu'on pourrait faire, là? Là, on a du Heart à 10. Du Heart à 10, ici. Là, on est sur du Nectar à 10. 10 de Heart. On a dit que c'était compliqué. Hein. On a 2 là. On peut avoir 4. On va ressortir le petit carnet. Chobiti. Ah bah, Chocho, elle a tout envahi là. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, elle a, c'est ça, elle a 2 de Grail et 1 de Heart. Donc pour le moment, on est à 3. Plus un souvenir, on est à 5. Ouais, c'est ça, c'est toujours tendu. Plus l'eau, la nourriture et tout, c'est 1. On peut atteindre 9, mais 10, ça reste compliqué. Il faudrait qu'on concentre, qu'on arrive à trouver un moyen de faire un souvenir de type Heart un peu plus fort que ça. Qu'est-ce qu'on peut craft avec ça? Est-ce qu'on peut mettre un skill de type Heart un peu énervé? Il y en a celui-là qui est à 5, là on est à 4, là on est à 5. On peut faire Cheerful DT, mais qui est pas... Ah, mais on peut travailler sur un instrument. Ah. On peut travailler sur un instrument avec le Health aussi. Intéressant ça. Alors bien sûr, faut atteindre le 10 par contre. Donc de toute façon là on est à 7. On met ça, on est à 8, il nous faut un souvenir dans tous les cas. Et éventuellement une inspiration, mais on peut peut-être réussir à faire un souvenir un peu plus énervé. On va essayer. On va regarder. Tac, il nous faut un souvenir du coup de type Heart. Plutôt là-haut, le Cheerful DT, il est où? Ça peut m'aider. Cheerful DT, là je crois. Non, ça c'est Solace. Bon, c'est Heart 2 Solace. Donc ça fait le taf. Ici on est déjà en train de travailler. On va aller travailler avec notre Ereb. Là. Non, on peut pas avec notre Ereb à côté. Merde, il est parti où le livre? Il s'est barré. Et on y recroit. Hop. Le livre est dans des petites patates. Voilà. Là, on génère un souvenir. On va voir ce qu'on peut. On va regarder un peu ce qu'on peut crafter du coup. On a besoin de ça pour Moss. On a besoin de ça pour l'amélioration.
Là, on a un MOS 2. Alors après, c'est 10, hein, le MOS. On pourrait peut-être en faire 2 en même temps. On a 2 Srist. Allez, on va en faire 2. Donc, on génère un autre souvenir de type MOST. Mouse. Donc, on a l'Impulse. Je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup d'autres à part l'Impulse. Hein. Ça, c'est Moonrose Sky. Tac, tac, tac. Il est là. Non. Alors, y a quand on jette un truc dans la mer, je crois que c'est le type MOS, mais c'est genre 1. J'avais noté... Non, c'est Edge et Winter, même pas. Chaque fois, je me fais avoir. Et le puits, c'est une satisfaction, ou alors un sound. Donc, ouais, non, ça nous intéresse pas. Donc, du coup, il va falloir qu'on... On refasse un impulse après le premier. Ok, bah pas de souci, on va faire ça. Et on a tout ouvert là, donc on n'a plus vraiment de lanterne. Et bah on va faire passer un petit peu le temps. On va faire passer un petit peu le temps en attendant d'avoir ce qu'il faut. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on crafte notre souvenir. Souvenir, souvenir. Et en Sky, on a que Faust, donc en plus, il va falloir reposer Faust après. Quelques pence, c'est toujours ça de prix. On va aller faire une sieste ici, tant qu'on s'en servira pas plus. On va foutre un verre d'eau. Oh, on commence à être un peu en déj de verre d'eau. On va vouloir en faire. Ouais, on va aller puiser un peu d'eau, tiens, pour la peine, avec nos trucs là. Alors, avec quoi on peut puiser de l'eau? Avec un chore? Allons-y. Un petit peu de flotte, hein. Ça fera pas de mal d'avoir ça d'avance. Ok, ça travaille. Ici ça travaille, ici ça travaille, parfait. Est-ce qu'on a plusieurs bureaux de type MOS? On en a un là, je crois. Non, pas celui-là, celui-là peut-être. Ouais, celui-là est de type MOS. Et c'est pas tout à fait un bureau celui-là. Il y a celui-là. Ah ouais, il y a celui-là. Okay. Commencer par celui-là. Alors, something to consider. Ça, c'est un souvenir. C'est l'impulse, parfait. En avant, on va faire ça. Alors, c'est la première fois qu'on lit un livre qui est d'un langage qu'on connaît pas, donc il faut qu'on mette la carte du langage. Qui apporte sa propre contribution d'ailleurs, c'est plutôt pratique. On met ça, alors je regarde, ça c'est 4, ça c'est 3, ouais. Et le reste c'est tout en bas, donc ça m'étonnerait que ça soit au niveau, donc on met ça, et on est à 11 pour 10, parfait. C'est pour ça que je disais, on peut lire qu'un seul livre en sabazine à la fois. Donc même si techniquement, là, on aurait pu faire le lanterne en même temps, vu qu'il nous faut le sabazine, bah, on peut pas. On est coincé. Alors, on va régénérer un impulse pour la suite. Alors, avec quoi? L'idéal, ce serait avec un whist. Parce que ça va nous servir, ça va nous servir potentiellement, ceux-là, ils vont nous servir... Oui, oui, oui. Ah, ça y est, on a nos souvenirs. Surtout qu'il faut qu'on les régénère, donc autant que on le fasse. Donc là, on a... Ah bah, on avait fait un Cheerful DT, tiens. Bah, heureusement que j'en ai pas refait, hein. En type Sky. Donc du coup, on va prendre... Il y en a un, on met ça. Alors, lequel qui a le plus de Hurt? C'est pareil. On met ça, on met un skill un peu énervé de type Heard, le Drum and Dance, c'est parfait. Et il faut qu'on soit à 10, donc on va mettre le Pulse. Et on peut faire Thunderskin Pin. Pound, 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 pay, payan. Thunderskin payan. Voilà. C'est parti. Et donc ici, on va faire... Avec Cheerful DT, il nous faut donc du Sky. Toi.
On fait un Ascendant Harmony. Voilà. Bon, là, ça va travailler un peu. Il faut 1 minute 30 pour tous ces trucs. Ici, on est à 30 secondes. Ça va. Sachant que celui-là, c'est un truc qu'on doit lire dans le phonographe absolument. Hein. C'est un phonographe record. Donc, on sera obligé de le lire ici. D'ailleurs, on peut pas mettre d'encre là, on peut mettre quoi? On peut mettre un souvenir si on veut booster, ok. On pourrait faire un deuxième souvenir, du coup, de type Sky, histoire d'avoir vraiment le petit boost qui va bien. Une Storm. Une Storm, et avec quoi on va le lire? Qu'est-ce qu'il nous reste? Rien, donc du coup il faudrait qu'on le relise là éventuellement avec un Hurt. Avec un Ereb, pardon. Allez, c'est parti. Là on récupère des os d'animaux. Ok, très bien. Et là, du sand à la con. Ok, bah bon, c'est de la daube. C'est de la daube. Mais bon, avec. Hop. Et puis bah, les bouts d'ossements. Alors c'est du remain, mais je suis pas sûr que ça marche. Donc si je fais ça avec lui. La food, ouais non, il faut que ce soit de la substance. Le remain, c'est de la merde. Ça sert à rien. Par contre, je peux utiliser là, je crois. Là, on peut mettre du remain, là, on peut mettre des ossements ici, si on veut faire des trucs. Avoir un pouvoir de scale par exemple. Du coup on va. Est-ce qu'on peut ranger des choses dans le coin? Oui, on peut ranger des ossements dans les. Dans la morgue là. Hop, allez. Voilà. On va mettre ça là. Alors. Ok. On a récupéré notre shaft et on a. Tirer de l'eau. Alors, on va tout de suite servir l'eau pour avoir des verres. Voilà. Et on va aller mettre le chat à travailler. Donc, c'était dans les miroirs. Tac, tac. On met ça. Et du coup, il nous faut un skill attuned to chat. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? On avait celui-là. Ah non, il passe pas. Merde. Il passe pas. Alors, c'était pas dans le miroir. Je suis quasiment sûr qu'on a trouvé un endroit où on pouvait le faire. Un endroit qui soit à la fois de type knock et de type scale. Bah on va rechercher. Non. Non. Ah non. Knock, toujours pas. Ça, c'était non plus. Le miroir, non. La chaise ici. Ah, si, voilà, le dispensaire. Ah, oui, non, on peut mettre. Ça, c'est pas un truc qu'on peut faire évoluer. Pas de bol. C'est la chaise de barbier. La chaise de barbier, elle matche pas. Le cinématographe et ça, non plus. Ça. Non, c'est des. C'est des remains qu'il faut mettre. Lui, c'est non. Ici, on a scale. Alors, le shaft, il est de type forge aussi. Ouais. Je suis sûr qu'on en avait trouvé un off. J'aurais dû le noter. Tant pour moi. Ça, c'est non. Scale et Earth, non. Zut. Il me semble qu'il y avait un truc. Il me semble qu'il y avait moyen d'utiliser ça. Mais je me souviens plus comment. Je ne me souviens plus comment, bah c'est pas grave. On cherchera.
toute façon, c'est pas pressé, hein, tant qu'on n'a pas Numa. Bon, c'est dommage pour le chat, par contre. Du coup, ça veut dire qu'on peut peut-être se faire le livre de type Nock. Cet étage-là. Ça, c'est Earth. Il y avait pas un... Ah bah, je l'ai déjà envoyé... Non, mais je l'ai déjà lancé, c'est vrai. Je l'ai lancé avec le bébé chat, tout autant pour moi. On avait trouvé Chobiti, hein, il me semble, hein. Là, c'est pas un hôtel. C'est ça. Ça, c'est quoi? Une cache. Oh, un coffre. Alors sinon c'est Forge Escale qu'il faut, hein. Forge Escale. Forge Escale. Ah, il y a un bureau là. Ah non, c'est le dispensaire, pardon. Je me disais c'est pas pareil que le truc de dentiste, mais si, c'est le même. C'est le même objet. Ça c'est forge, mais il n'y a pas le bon truc. Toi non plus. Tout ça, ça permet pas d'améliorer. Hein? Bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On est coincé. Il me semblait bien, mais non, du coup. Et alors, c'est le seul attune touchable, c'est celui-là. Hein. Je vais vérifier quand même. Attends, on va faire comme ça. Oui. C'est le seul qui est attune touchable, donc du coup, tant pis, bah ok. Bah, on va garder nos chaps de plus, on est déjà pas mal. Hein. Et du coup, est-ce qu'on tenterait pas un Forge plus? Bon, pas, on va l'améliorer notre metal, donc pas forcément. Par contre, du coup, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un Forge. 10 assez facilement. Et là, on va certainement plutôt viser le sky, du coup. Même si pour le moment, notre sky est bien utilisé. Donc, bah, on va ouvrir notre caisse, voilà, avec un shaft pour la peine. C'est parti. Et puis l'autre, est-ce qu'on peut pas l'envoyer à ramasser un peu d'eau? Oula. Non. On peut pas l'envoyer ramasser de l'eau. Tant pis. Ici, on a servi un verre d'eau, on sert un autre verre d'eau, hop, parce que ça prend moins de place à stocker que le petit pot. Hop. Et hop, voilà. Au boulot, les gars. Alors, ici, on a masterisé Ogkor, Ogkor, Tissilac, Ogkor. Parfait, qu'est-ce que ça parle? Alors, avec une grêle adéquate, son excellence Gnatobasi explique, le Momet pâle se réveille à la vie avec... Une dose généreuse de Grail, le Momet Flochette accepte notre bénéficience. Waouh. Ça m'a l'air encore un truc compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un pattern. Alors, comment je vais écrire dans mon petit carnet? On va se mettre comme ça. Pas de place aujourd'hui. Il y a une Chobiti qui tricote. Est-ce que c'est ça... quoi tout qui crochette? Est-ce que c'est le problème qui a tricoté? Ben je sais pas, t'es à côté de moi, je te signale que je te regarde pas. Alors, il faut écrire ce foutu nom. Ogkor, Tissilac, Ogkor. Ogkor. Encore, Og. Avec un H. Kor. On va écrire Tissilac et ça ira bien.
Du coup, ça donne pattern. Pattern, c'est un truc de type knock, non? Forger knock. Exactement comme Shaft, tiens. Franchement, je me serais attendu à mieux pour un bouquin avec un nom pareil. Alors, pattern, je pense qu'on doit commencer à être un peu plein. Je crois que c'est là. Voilà, tous les livres violets. Hop là. Et ici, on a généré un impulse. Donc, si on a un deuxième bureau de type Moss de disponible, on peut lancer la suite. Et je suis pas sûr. Ici, non. Ici, ça travaille. C'est pas de type Moss. Oula. Là, il y a un truc. C'est pas bon. Donc, celui-là, il est de type Moss. Mais je crois pas que ça. Ouais, c'est ça. C'est pas un bureau. On peut pas mettre de livres. Ok, celui-là qui travaille. Ok, ben on verra plus tard. Celui qui est tout là-bas, c'est un bureau, ça? Non, c'est pas un bureau. Et là non plus. Bon. Eh ben, on va attendre de la voir. On va pas se précipiter, c'est pas la peine. Ici, on va voir bientôt notre souvenir. Il va falloir après qu'on aille reposer notre fosse rapidement. Pas simple avec un seul Faust. Hein. Le Sky est quand même vraiment très utilisé. Et allez, 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 allez. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a généré un Storm. Pour pouvoir mettre un deuxième souvenir là. Je me souviens. Alors ici on a fait notre ascendante harmonie, très bien, et là qu'est-ce qu'on a? Ah non, c'est ici qu'on a fait l'ascendante harmonie, donc l'autre c'était quoi du coup? Qu'est-ce qu'on a fait? Thunderskin Pan, 4 de Earth, ah voilà qui est intéressant. Et en plus il permet d'evolve via Preservation. Ok, donc c'est quand même un souvenir assez fort. Et lui on pourra le mettre à dormir pour par exemple... Quoique non, il est persistant. Non, il n'est pas persistant. C'est un Soon, il n'est pas persistant. Mais on pourrait attendre un bon score en Earth avec, hein. Avec le 2 de notre L+, ça fait 6. Ça fait 7 avec le Earth de base de la Dame, de Mrs. Kyle, plus 8 avec le Ball, 9 avec l'eau. Et après, il faut lui donner un truc à bouffer, genre un bout de miel, et on atteint 10. Ouais, on peut atteindre 10, du coup. Un peu compliqué, mais on peut atteindre 10. On pourrait faire celui-là, par exemple. On a peut-être plus de facilité à faire 10 de Grail, cela dit. Le Ereb, là, plus, il a 4 de Grail, il a déjà 2, on est à 6. Ouais, on met un souvenir. Ouais, non, mon avis, ça vaut pas le coup. Sauf si on a vraiment un truc qu'on a besoin de Hurt, peut-être là. Et encore, faut atteindre 11. Ça vaut pas le coup pour le moment. Bon, du coup, démarrons. Le phonographe. Ah oui, non, faut aller reposer Faust. On va aller reposer Faust à la taverne. T'es où Faust? T'es là. Hop, 60 secondes, c'est parti. Et là-haut, il n'a pas terminé encore, donc on est coincé. Là, on ouvre notre colis. On va ouvrir notre colis. J'ai l'impression que ça lag un peu, mais je vois pas le retour laguer, ni des frames se perdent, donc... Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, du fil de cuivre, ça c'est pas mal ça. On va le reposer par là avec son copain. Et ça, c'est de type Grail et Scale, mais on est déjà à level 5 avec, donc il nous faudrait 5 souvenirs. On va pouvoir le faire monter niveau 7, si on a suffisamment de souvenirs. Ça peut être pas mal. Alors là, on a notre Metal++. Donc du coup, hop, hop. On remet ça.
Et on peut mettre ça. Et on peut faire un metal plus plus plus. C'est parti. Et ici, on a masterisé An Echo of Silence. Alors, les racines de la maison. Il est dit que les racines de la maison passent dans le bois des rêves, à travers trois forêts, identifiées comme Bailailay, la forêt des cèdres noirs et le Brechelient. Ok. Très très bien. Et c'est du Impulse. Ouais. Bon, je vais me noter, mais le Impulse, ça commence à bien faire, hein. Alors, An Echo of Silence. Echo of Silence. Impulse. Impulse et Demos. Ce serait bien de trouver un autre souvenir qui fait du Moss, en vrai. Hop là. Donc on va trancher dans la bibliothèque des trucs qui nous intéressent moins, c'est-à-dire ici. Et on va lancer le suivant. Hop, pof. Il nous faut du coup ça, bah un impulse par exemple. Un skill qui va bien. C'était lequel? C'était Lacryma machin truc. Et on est à 10. Et on peut crafter un truc qui s'appelle le Name Day Riddle aussi, avec cette valeur-là. Il y a certainement des choses intéressantes à en faire. Ça, je voulais le faire pour... Ah oui, c'est vrai, pour avoir... c'est le Sky qui m'intéressait sur celui-là. Comme ça, on a... celui-là, celui-là, plus le Faust qui va revenir, plus le skill, on devrait être bien pour le phonographe. L'opéra invisible, un enregistrement incomplet. Très bien. Début du 20e siècle, on n'est pas sur un truc hyper vieux, mais en même temps... c'est de musique enregistrée, donc de base ça pouvait pas être hyper vieux. Alors ça y est, on a récupéré notre Faust. Il est pas tôt, hein, mais on est prêt. Donc le phonographe, c'est parti. On met ça. On met le Faust. On met le meilleur truc de Sky qu'on a, c'est celui-là. On met Ascendant Harmony. Bon, on est déjà à 13, hein, il n'y a même pas besoin de se faire chier. Allez, c'est parti. Du coup, est-ce que ça peut nous servir à quelque chose, tout ça? Là, si je mets ça là... Non, pas toi. Toi. 5 souvenirs. On a 2 qui collent. C'est pas assez. Et si je mets... Lacryma machin truc, elle est en train de servir à quelque chose, mais je crois qu'il est niveau 4 aussi, donc... Ça, c'est de type Moss et Sky, donc on en a un. Ça non. Ça non, ouais non, ça vaut pas le coup. On est un petit peu coincé pour ça. Du coup, il nous reste 2 trucs. On va... utiliser. Alors le fait, je crois que c'est de la daube. Hein. C'est ça. On va mettre un chapte là à travailler. Le fait, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec le fait? On peut pas ramasser de l'eau. On peut l'envoyer sur la plage. Je crois qu'on peut l'envoyer sur la plage. Oui, on peut l'envoyer sur la plage. On va y aller avec ça. Hop. Ça, on ramasse un peu des trucs sur la plage. Et fatalement, à un moment, on trouvera des trucs intéressants. Alors si tu chuchotes, personne ne t'entend, moins compris, Rubity. Tu crois ?
crois que si on trouve un chat, il aura une autre tronche que celui qu'on a, ou ce sera le même chat? À mon avis, ce sera le même chat. On va avoir un très bon métal là, qui va nous ouvrir des perspectives niveau forge, ça fait plaisir. Si pour l'instant, bah, il n'y a pas grand chose d'utile niveau forge. Alors, on va regarder si on n'a pas une bouffe qui serait à 2 en Hearth. Juste une petite bouffe ou une petite boisson là, et si oui, on a notre 11. Alors, on va juste récupérer les trucs pour terminer. Alors ici, le livre, From History to Eternity. Icor Oral peut être... Brood, mélangé, extrait par alchimie, dans Locostrum Terminal, associé à la seconde histoire, en utilisant une... de révélation with rose aspect. Alors là, intéressant, ça nous donne potentiellement une recette. Alors, l'auteur prévient que c'est exceptionnellement difficile, puisque ces techniques ne sont pas alignées avec rose. Du coup, il faudrait prendre de liqueur aurorale. Alors, liqueur aurorale, c'est le truc qu'on avait crafté la dernière fois. C'est ça, là. C'est ça. Et du coup, avec une Ink of Revelation associated with the second history. Ce sera un souvenir de second history. Mm-hmm. C'est tellement rare d'avoir des infos sur les recettes de niveau 15 que ça me fait poser question. Alors, qu'est-ce que ça a généré comme souvenir? Une intuition. J'ai même pas fait gaffe finalement aux descriptions, mais ça se trouve, tout ce qui génère des souvenirs de type intuition, c'est des trucs comme ça. From History to Eternity. Alors, intuition, ça fait quoi? Moon 2. Et Rose 2. Du coup, on va essayer d'aller crafter un truc avec Rose et liqueur oral pour voir demain. Attends, par contre, on est blindé là. En leçon. Ink of Révélation, c'est un truc assez bas, je crois. Est-ce que si je le mets, on a deux souvenirs qui collent? Non, on n'a aucun. Une n'a aucun. C'est pas la peine de s'embêter à faire un truc en urgence. Il fallait que je mette un souvenir à dormir, d'ailleurs. Normalement, on a dit... Je pouvais garder celui-là. Hop. C'est parti. Et donc, le livre, on va le ranger avec les intuitions. Soleil, salt, intuition, c'est là. Ah, on est plein déjà. Ok, on va pas le ranger avec les intuitions. Non, il n'a pas le droit d'aller avec ses copains, il avait qu'à être plus fin. Voilà, c'est tout. Du coup, il nous reste normalement le phonographe qui bosse. Et salut Audemars, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Et du coup, le metal aussi. Le metal qui va terminer après. Alors, on a trouvé cette sympathique algue qui nous sert toujours pas à grand chose. C'est une leaf. On pourrait peut-être en faire quelque chose dans le coin là, mais j'y crois pas trop. Poser par ici en attendant. Bah écoute, ça va, Lonmar, merci. On essaie d'avancer un petit peu notre petite partie, comme tu peux le voir.
Alors, on a Masterhead, l'opéra invisible pas terminé. Alors, l'enregistrement se termine avec une clameur de voix horrifiée, un horrible grincement métallique et des parasites qui finissent par disparaître dans le silence. Terminé, genre pas terminé. Quoi. C'est pas terminé, genre tout le monde est mort en essayant de le jouer, quoi. Allez, The Invisible. Opéra, c'est un cheerful ditty du coup. Et donc, un cheerful ditty, c'est de Earth 2. Et un sky. Et je crois que celui-là, on en a une paire aussi. Alors, tac, tac, tac. Storm, Impulse, ce serait pas un de ceux-là ? Cheerful Ditty, ouais, si, c'est ça. Du coup, on va le mettre là. On aura trois Cheerful Ditty. Cheerful Ditty. R2, non, c'est deux points là. R2 et Sky. Voilà. Hop. Comme ça, ça peut toujours servir d'avoir un souvenir générable avec le phonographe. C'est pas inintéressant. Par contre, du coup, est-ce que cette leçon, on la connaît ? On la connaît. On la connaît, il nous faut une seule mémoire. On pourrait la monter, mais du coup, on a plus personne de reposer. Ouais, non. Tout le monde est fatigué, donc tant pis. On va perdre pas mal de souvenirs, mais c'est pas la mort, hein. Demain, on essaie d'ouvrir deux salles, une avec la forge et une avec le hearth. Alors, je vais fouiller d'ailleurs vite fait avant que la journée se termine. On a dit que en termes de hearth, ça c'était 1, le gros pot de miel c'est 1, le café c'est 1. Ouais, on a quand même plus de chances de faire du grail. Hein. Même les trucs de base, là, genre la pauvre tâche de thé, c'est 2 de grail, alors que c'est 1 de... Ouais, donc on va pas s'embêter avec... avec du hurt. À moins qu'on ait vraiment un truc que de type hurt. Je crois qu'il y a là. Ouais, là, ce serait bien d'avoir 11, mais... Comment on peut avoir 11 ? On va voir. Ok, c'est le matin. Alors. Ça permet aussi de faire un evolve via Preservation. Hein. Qu'est-ce qu'on a côté Preservation ? C'est là. Donc on a celui-là. Ah, il y aura peut-être moyen de faire un truc intéressant du coup. Enfin, utiliser celui-là. Celui-là qui fait évoluer le chore. C'est pas inintéressant non plus. Et celui-là qui a déjà travaillé. Ah, mais on va prendre un peu de temps du coup. Parce que ça veut dire qu'on peut potentiellement utiliser notre Ick of Containment qui est attuned to health avec des trucs qui matchent pas du tout le health. Donc on n'arrive pas à s'en servir. Du coup, si on trouve un endroit qui fait Moon, Winter et Earth, c'est gagné. Alors, est-ce qu'on a ça ? Eh ben là. Donc on va pouvoir améliorer notre health. Oui, c'est... Oui, Chobiti. Oui. Très bien, Chobiti. Merci, Chobiti, pour cette participation. Alors ici, on va faire venir Mrs. Kyle. Et du coup, on va faire venir le pote forgeron aussi. Avec un shaft. Et par contre, lui, il faut qu'on le paye... Pas à mon pote si je le paye. Hop, il va nous falloir du souvenir. Donc, là on a un souvenir pour Atune. Il va nous falloir un souvenir de type forge. Un foresight par exemple.
Aujourd'hui, on va pas utiliser les tristes, je pense. Peut-être un peu si on fait des leçons. Peut-être un peu. On va pas utiliser par contre ça. Donc on va l'utiliser là. Il nous faut un souvenir de type Grail, on a dit, c'est ça. Là-bas, c'est du Grail. 10 de Grail. Donc un souvenir qui fait 2 de Grail. Est-ce qu'on a ça? Noc. Lanterne. Grail 2. Bing, 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 memory. On va le lire avec quoi? Mélodie. Oui, ça doit être mélodie plutôt que memory, oui, tout à fait. On va lire avec Faust. Et donc là, on a nos souvenirs pour nos deux compères. Ils vont venir nous aider. Ensuite, on pourra éventuellement faire des souvenirs pour nos leçons. Là, on aurait besoin de 2 fois du Hurt. Vu qu'on va en utiliser 2 pour fusionner, ça passe largement. On pourrait même d'ailleurs faire le chore aussi si on générait un autre souvenir, mais bon, pas tout de suite. Il nous faudrait du coup le song là, il nous faut un souvenir de type Earth et après 2 souvenirs de type Earth. Ça va le faire. On va générer une storm. Avec. Alors Shapt, on s'en servira pas du coup, c'est parti. On va commencer par ça déjà. C'est parti. Alors. Ici, on a notre metal plus plus plus. Qu'est-ce qu'on a de type rose? C'est ça le type rose. Plus plus, simplement plus plus, d'accord. Du coup, notre truc de type rose, est-ce qu'on peut s'y essayer? Il était par là, je crois, le truc de type rose, c'est ça. Donc du coup, ils nous ont dit, on met de licor oral. On met... Le fait, on met Link of Revelation, il nous faudrait un memory, toi allez pourquoi pas vu qu'on sait pas t'utiliser pour faire autre chose, et il nous faut une devotion, une marque, on avait fait la marque là, où est-ce qu'on l'a posée? Ce qu'on a posé là. Oui, on peut crafter de la porphyrine. C'était bien l'icône orale, le truc qu'il nous fallait. Est-ce que je sacrifie ce souvenir? Bah, j'ai envie de dire que oui, hein, puisque il vaut 3 et tout ce qu'on peut faire, c'est du 2. Donc ça nous permettrait pas d'avoir 15. Donc on va sacrifier ce souvenir. On n'a pas d'endroit où faire évoluer via Dictodromy, malheureusement. Puis au pire, on le refera. Et bah du coup, c'est nickel, excellent, on va faire ça. Allez, go. Go, 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 notre première recette level 15, je crois. Excellent. Excellent, alors, ici, on va travailler un peu avec nos cocos. Et il pleut. Ah bah, un souvenir de type grêle, tiens. T'aimes pas la pluie, mais c'est bien la pluie. Hop. Alors, on va commencer avec le forgeron. On va le monter direct à 6. Voilà. Ça, c'est pas de type sky, hein, ce souvenir-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a récupéré notre memory. Du coup, on a dit que ça pouvait permettre de faire évoluer le health à quel endroit déjà? Merde, putain, je sais déjà plus. C'était ici que j'étais. Donc, oui, c'est ça, c'est celui-là. Donc là, je peux mettre le memory. Je peux mettre un health. Et je peux mettre mon skill attuned to health de type toi. Yes! Ça fait plaisir là.
voir cramer ce attune que je savais pas quoi en foutre. Ça fait bien plaisir. Allez, c'est parti. On fait travailler le forgeron. Les leçons, elles vont devenir compliquées, là. On va faire celui-là qui est assez facile. Et on verra après. Alors, hop, là c'est bon pour lui. Il est à 6, on va le passer à 8 avec notre souvenir. Donc il faudrait un petit truc de type forge. Une tasse de café. Non, c'est que 1. On a des outils, ouais. Pour lui. Il manquera toujours 1. Mais ce sera toujours ça de prix. Hop. On lui filera une tasse de café. Hein. Ça que ça sert. Du café. Un petit café avec ton équerre, mon cher Denzil. On aura mis un petit café pour touiller ton équerre. Voilà, alors, un souvenir. Un souvenir et un souvenir. Parfait. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à travailler sur toi. On a dit qu'il fallait du else. C'est parti. Il te faut une leçon et il te faut une memory. Qu'est-ce qui va? C'est, je pense, toi. Alors ça, c'est de type Grail. Donc on va mettre le Storm plutôt. On a ça des deux types Grail, donc on va certainement garder celui-là. Ça nous fera déjà un souvenir d'avance pour là. Il nous en falloir un deuxième. Un autre souvenir de type Sky ou de type Earth. Beginning Melody, c'est celui qu'on a là, ouais. Un petit Confounding Parable, tiens. Allez, vendu. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, un petit Confounding Parable. En avant. Ensuite, toi. On discute de ça. Et après, on te file une tasse de café, tu vas bosser. Et il sera même pas midi, donc on sera bien pour travailler avec Mrs. Kyle. Par contre, on arrive en fin de saison, on n'est pas à la rue d'un humain. Oui. Bah ouais, si on tombe sur un humain, va pas falloir buller. Hein. Pour ça que j'essaie de les dépiler un peu quand même, parce que... Là, on est d'accord, on en a un d'avance, mais il nous en manque un, donc on attend un petit peu. Le café est tout prêt, voilà. Hop, toi, tu reviens, on te file un bout de café et on sera à 10. Du coup, à 10, on est d'accord, il va pouvoir avancer derrière la prison, là. Ça serait marrant s'il y avait des choses, genre... Là. Intolérant tout lactose... Ah, oui, bah, il y aura peut-être avec House of Light, hein. Je sais que les invités qui viennent, ils ont des préférences de nourriture. Avec House of Light, le DLC, là. Mais... Je sais pas trop, du coup, ça donnera. Alors, du coup, on a... Là, on a crafté la porphyrine. Donc c'est la fameuse en costume terminale de la seconde histoire. Et c'est pour les histoires secrètes, excellent. Fameuse en costume. En costume terminale. C'est exactement ça, la fameuse en costume terminale. Alors, elle était vénérée en secret par une confraternité de cloniates et de bénédictines qui se parlaient. Ok. Ah, ça nous permet d'écrire dans notre livre, du coup. Ah.
Et ça peut aussi être utilisé pour composer une pétition pour la saison du labyrinthe. Ah, il y a aussi une saison du labyrinthe qu'on n'a jamais eue, ok. Si vous pouvez mettre au moins 20 du bon truc et donner un matériel d'écriture correspondant. Ok. Pour écrire dans ton livre. C'est la citation de Churchill qui est exactement ce qu'on est venu faire ici, quoi. L'histoire sera gentille avec moi puisque j'ai l'intention de l'écrire moi-même. On rappelle que on est venu ici pour essayer de réécrire dans notre journal notre propre histoire, puisqu'on a fait une connerie. Et comme ils disent, hein, si jamais les heures écoutent, alors ils pourraient faire changer l'histoire en notre faveur. Alors, ce que je sais pas, c'est si je le fais, est-ce que ça termine la partie ou pas? Est-ce que c'est considéré comme une victoire? Bon, après, c'est pas dit qu'on ait ce qu'il faut, mais. Est-ce qu'il faut atteindre 20? Bon, il est à 7, hein. Ça commence à se jouer, hein. Dommage que ce soit pas du Winter, par contre. Ok. Bon, c'est bon à savoir, on peut faire une vraie encre de pouvoir. Comme ça. Ça, c'est plutôt bien. Donc là, on fait notre leçon, on met un effort, on met toi, et on passe ça au niveau 3. C'est parti. Allez, on enlève la pause, on travaille. Le forgeron, c'est bon, on va commencer à travailler avec notre chère Mrs. Kyle, et le forgeron, il va aller bosser. En avant. Ah non, aucun répit, ah bah non, ah, du répit, non. Franchement, le mec, on lui a filé une équerre et une tasse de café, quoi. Peut bien travailler un peu pour nous. On l'invite dans notre super maison où on est tout seul, là, pour boire un café. Ok, ça s'est passé level 3. Nickel. Alors, ça nous fait quoi, ce truc-là? 4 de sky pour du level 3, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut le mettre quelque part? C'est du Birdsong ou du Nyctrodomi? Je suis pas convaincu. Hein. Birdsong, c'est là. Ouais, non, il faudrait du level 4. Pour l'instant, c'est trop petit. Par contre, ça pourra nous permettre sur un Numa de faire des trucs sympas. Potentiellement. Il nous reste quoi? Il nous reste deux chores, deux cerises. Le RM, on va l'utiliser. Est-ce qu'on peut générer assez de souvenirs pour une leçon? Ink of Revelation. Donc, Ink of Revelation, il nous faudra un cerise pour le monter. Il est level 2. Il nous faut pas tant de souvenirs. Il nous faut deux souvenirs. Un, deux. Et après trois, ça sera pas assez. Mais on peut au moins faire un niveau. Le Sacralimae, qui est aussi de type Moss. Il nous faut 4 souvenirs. 1, 2, 3, 4. On va peut-être faire celui-là du coup. Donc il nous faut des souvenirs de type Moss ou de type Sky. Donc déjà de type Moss c'est simple, on en a qu'un, c'est le Impulse, on va commencer par lui. C'est bien celui-là. Hein. Yes. Donc ici, on peut lire avec un chapt. C'est parti. Hop. Toi, avant que je me foire, on va te mettre le Ereb plus, comme ça. Voilà. Donc le Moss. Ensuite, il nous faut du Sky. Donc ici, on a une Storm. On peut lire avec l'un des deux ici, non. Allez. Ici, on peut lire avec un Srist. Il faut qu'on en garde un de côté. Donc là, on en a deux. Il nous faut un autre Sky. Ici, on a le Cheerful Ditty qui pourrait faire le taf. Il faut qu'on le lise avec du Chore. Faut lire avec du Chore ici. Y a un autre endroit où il y a du Grail ou du Hurt. Ici, donc on pourrait faire une autre lecture ici. Il nous faut un autre Sky ou un Moss, donc un autre Sky. La non. Beginning Melody, elle est vendue.
Et on va être pile poil bien. Alors pas tout à fait pile poil bien parce qu'on va avoir le metal qui va tomber. Quoique non, on l'a utilisé le metal. Lequel qu'on améliore? Ici on améliore un health. On va avoir un health qui va tomber. Bon, on pourra aller bosser avec un health. Pas un problème. Et du coup, avec ce health amélioré, on pourra peut-être faire un health plus plus. Et enfin avoir une valeur de Hearth intéressante. On va voir ça. Oui, on va arrêter la VOD assez vite, je pense. Il me semble qu'on... Ouais, non, le couteau... Le seul outil de niveau 2 qu'on a, c'est pour le nectar. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Et ici, on récupère un Health Plus. Alors, on va le garder le temps d'ouvrir les salles pour voir. Ah, bah, on a ouvert la salle, ici. Valentine's Room. Oh, on a un gros E. Un gros E. Et un petit E. Et un workbench, ici. Excellent. C'est des yeux de peluche. Et un magnificent green cotato. Un animal coopératif. Un blue sofa. Ok. On peut peut-être mettre le chat sur le blue sofa. On va se souvenir qu'il est là, c'est tout. Après, est-ce que c'est la bonne idée de le mettre dans la même pièce que le piaf? Non, on peut le mettre au pied du blue sofa. Ah merde, il est parti derrière. Non, il a disparu. Ah, il doit pouvoir y aller, mais s'il n'y a rien, du coup. Il est revenu là. Ok, bah non, il veut aller au pied de notre lit, c'est tout. Par contre, c'est intéressant, du coup, avec les œufs, là. Les œufs, on peut les faire éclore. On a trouvé ça avec Chobiti, en les mettant au feu. Alors, pas en les détruisant, mais on peut mettre un effort. Et bah, du coup, un petit else, par exemple. Et on peut hatch the egg. Et là, du coup, un nœud d'autruche, un nœud de crocodile. Sûrement aucun des deux. En fait, il est brewable, c'est ça qui donnait un petit indice. C'est qu'il y a certains œufs qui sont brewable et que du coup, on peut hatch. Alors, ça prend du temps, par contre. Hein. Bah, du coup, on va hatch ce magnifique gros œuf qu'on a trouvé. Allez hop, vendu. Et du coup, on va arrêter la VOD là. Je pensais qu'on pourrait terminer la journée, mais la vidéo est déjà un petit peu longue. Si vous voulez faire... Voilà, je vais arriver. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois ma petite gorgée d'eau. Tout à fait, Lonmar. Alors, c'était un outil que je pouvais fabriquer, en fait. C'était le truc de level 5 de lanterne, je crois. Et qui est un outil qui est à usage unique et qui est de 2 de lanterne, oui. Mais on n'avait pas de problème de lanterne, là, où j'ai mal vu. Mais tout à fait, je l'ai parfait parce qu'on travaille pas énormément avec la lanterne, en vrai, et si on a besoin, on a le fosse qui est déjà 4. Mais effectivement, on peut avoir cet outil-là qui donne 2 de lanterne. Mais c'est un truc à usage unique, je les compte pas, tu vois, c'est comme les poupées. Elles sont très très fortes, mais je les utiliserai que vraiment quand on sera sur des valeurs de fifou, quoi. En tout cas, on arrête la VOD là, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.